Archivo sonoro de recuperación de la archive sonore de recuperación de l'interview avec Catherine Bonbulo sur son livre Le corps lieu de loi versant sur la pensée de Saint Augustin et ses conséquences dans nos siècles. Donc je disais que, en tant que curieux et que quelqu'un qui n'a pas encore de la bouteille, je vous pose une question à vous, qui sujet supposé savoir ou personne avec plus d'expérience et ça on pourrait parler ailleurs. À propos d'une toute simple chose, je voulais, j'avais parlé de Saint Augustin au XXIe siècle pour les écrivains, pour les théologiens, pour les philosophes, pour, va savoir, même pour les marxistes, je ne sais pas. Si vous voulez parler de Saint Augustin au XXIe siècle. Mais peut-être pour faire plus concret, pour commencer la discussion, une question, une curiosité. Qu'en pensez-vous que fait l'Église de Saint-Augustin de nos jours? Qu'est-ce qu'elle fait de Saint-Augustin, l'Église? Je ne sais pas, ça, il faudrait effectivement quasiment vous adresser à théologien de notre époque, parce que Saint Augustin fait partie de l'histoire de l'Église depuis des millénaires. Il n'a jamais cessé à faire partie intégrante de la pensée ou de la théologie en soi. Et les questions qu'il pose à son temps, au moment où il vit, et les questions qui sont discutées à travers les différents siècles, reste d'actualité aujourd'hui. Alors, comment est-ce que l'Église moderne aujourd'hui peut aborder le problème de la grâce ou le problème du libre arbitre du point de vue théologique? Je ne peux pas y répondre. Ce sont des spécialistes, des théologiens qui doivent y répondre. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Saint Augustin? En quoi est-ce qu'il est d'actualité? En quoi il peut interroger croyant d'aujourd'hui? C'est une vaste question, je ne sais pas comment y répondre, et d'autant plus que vous voulez savoir ce que l'Église en fait. Comment le pape, aujourd'hui... Quelques derniers papes, par rapport à Saint-Augustin, ils ont vraiment été à la hauteur de ce qui pourrait avoir été une église de théologiens, une église de penseurs ou des écrivains. Vraiment, on a la sensation qu'elle a déserté complètement de tout ce qui pouvait l'occuper à une autre période. Je ne sais pas. Je crois que de toute façon, l'Église a changé au même titre que l'histoire. Tout le reste, l'Église d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a quelques siècles. Je crois que le problème pour l'Église d'aujourd'hui, c'est de se reposer la question, non pas de la foi d'un pape ou d'un évêque ou d'un cardinal, ils ont leur façon de croire depuis des siècles, ils adaptent leur croyance peut-être au fur et à mesure aux discussions d'actualité historique qui les touchent. Est-ce qu'ils peuvent, à partir de... avec Saint Augustin, ou moderniser Saint Augustin, je ne sais pas, je sais que c'est... C'est le début de la modernité, de toute manière. La question de... La question du libre arbitre se posera toujours, puisque c'est la question par excellence.
qui est posée depuis le début, depuis l'avènement du christianisme. Est-ce que nous sommes des êtres responsables de nos propres vies, suffisamment capables pour savoir vivre en dehors d'un dictat ou d'un dogme, ou avec l'aide d'un dogme, ou est-ce que nous sommes faits pour obéir à une interpellation, disons entre guillemets, divine? Oui, qui peut être tout simplement un ornement qu'on met sur l'interpellation tout simplement automatique de la nature ou de la société. Je crois que le libre arbitre, si ça va beaucoup plus loin. C'est une question philosophique, hein. C'est pas une question théologique. Oui, mais c'est une question qui était très. Justement, on avait parlé avant d'enregistrer. Moi, je m'étais intéressé à Pascal d'un côté, Malebranche, tout ça parce que j'étais très. On avait parlé. De ma curiosité pour l'épisode de Madame Guyon, qui d'ailleurs, je ne sais plus dans cette question-là du libre-arbitre, qu'est-ce qu'elle avait à voir ou qu'est-ce qu'elle aurait fait. Mais en tout cas, Pascal s'occupait de la suffisance de la grâce, ou de, si la grâce est suffisante ou pas, des questions comme ça. Je sais pas si c'était l'augustinisme de la phrase rococo, un peu de la théologie rococo, comme j'ai voulu dire. Toute la discussion théologique depuis Saint-Augustin, autour d'autres ecclésiastiques d'ailleurs, et d'autres théologiens et d'autres grands philosophes, tout autour de la question de la grâce du libre arbitre. Le protestantisme aussi, il a fait éruption justement autour de ces deux questions clés. Est-ce que la grâce est suffisante? Est-ce que la grâce de Dieu nous exempte de nos péchés? Est-ce que la grâce, en fin de compte, nous achète? Est-ce que la grâce peut faire que l'homme accède malgré tout au divin, non pas au paradis, parce que c'est trop simple, mais au bien? Est-ce qu'il peut s'affranchir du poids de la loi, Ce sont des questions à la fin politique, parce que ce qu'ils cherchent. Le christianisme est un phénomène politique, c'est pas uniquement un phénomène social ou un phénomène philosophique, c'est ou théologique. Le christianisme travaille aussi bien la société que la foi. Ce qui préoccupe ces auteurs, en fait, c'est qu'ils sont devant peut-être des exécutions publiques, mettons, à l'époque. Une exécution publique et ils ressentent les dégoûts et en même temps ils se disent est-ce que ces personnes-là méritaient d'être punies et ils transposent ça sur les domaines de la prière et dans les domaines de la prière c'est la terreur, c'est le cauchemar. On se dit est-ce que vraiment il y a une justice divine ou est-ce que cette souffrance qu'on éprouve, on la mérite ou on ne la mérite pas? Est-ce qu'on est coupable ou pas? C'est la faute, c'est l'expiation, c'est des questions comme ça. Et donc on revient, là ça aurait pas mal à voir avec Auschwitz. Ah ben dis donc, Auschwitz, c'est ça, c'est la purification de ceux qu'on a désignés comme coupables, comme ceux qui sont à envoyer en enfer. Donc, c'est pour ça qu'en effet, cette partie-là de l'augustinisme est politique, mais... Et moi, j'avais cru trouver d'autres questions aussi bien politiques, mais autrement, chez Saint-Augustin, c'est sa période manichéenne, c'est qu'à l'époque de Saint-Augustin, la question ne se posait pas tellement sur les libres arbitres, mais sur la coéternité du mal. C'est-à-dire, si le mal était coéternel, principal comme le bien,
ou si le mal était, comme aurait soutenu un grec, un grec conciliateur, le mal était une espèce d'erreur de perspective, une espèce d'effet secondaire indésirable d'un bon médicament qui était l'existence. Il faut poser des questions qui sont des questions qui ont travaillé l'humanité depuis que l'humanité pense. Ça continue avec la théologie, ça continue avec la philosophie, ça continue avec la politique, les quatre grandes sciences humaines, la philosophie, la théologie, la sociologie, la psychanalyse, la pensée politique, se sont tous appuyés sur cette question-là, le bien et le mal. D'où vient-il? Comment le gérer? Comment le dominer? Comment le partager? Comment le penser? Et Saint-Augustin, évidemment, à cette époque-là, il était, comme vous le savez, d'abord, il avait adhéré aux manichéens. Et donc là, la question du mal et du bien était tranchée, le mal et le bien était le bien. Et je crois que... Et ça allait être mis au clair à la fin des temps. Voilà. La doctrine des trois moments. Oui. Le moment initial, le moment médian, c'était l'existence sur Terre, et le moment final où le bien revenait à sa place et le mal à la sienne. Oui. C'était des choses qui s'étaient mélangées à un moment donné et qui devaient se séparer. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour moi, Saint-Augustin fait partie de ces gens de l'époque, sous l'Empire romain, avec une spiritualité qui est relativement récente, le christianisme qui est relativement récente. Je crois qu'il a senti dès le départ que la question du bien et du mal était autrement plus complexe, plus subtile, plus difficile à penser que le manichéisme qui a essayé de trancher effectivement entre le bien et le mal d'un côté et le bien de l'autre. Maintenant, je voudrais vous rappeler, pour ce qui est du manichéisme, qui est toujours utilisé en manière péjorative, que c'est dans la période où il a fréquenté les manichéens que Saint Augustin a pu avoir une vie sexuelle, a pu avoir un métier autre que celui qu'il avait raté. Il avait été professeur, mais il était très dégoûté de l'éducation de l'époque. Donc il a réussi à vivre un peu, de faire des horoscopes. Il était astrologue, il faisait des horoscopes, oui, des cartes astrales. Ça ne se faisait pas comme aujourd'hui en rond, ça se faisait en carré. C'était plus facile à faire en fait. Oui, parce que il fallait pas tellement d'outils géométriques et les calculs étaient beaucoup moins précis, forcément. Donc on faisait la carte astrale avec. En faisant un carré à l'intérieur un autre carré, comme ça. On trouvait les 12 maisons. Et donc, c'était une manière aussi de faire. Disons qu'il a été thérapeute. Ce thérapeute presque païen, parce que, disons que le manichéisme permettait d'être. C'est une doctrine à moitié chrétienne, à moitié syncrétique. Et d'ailleurs, Augustin raconte qu'il a un souvenir qui est presque voluptueux de ce qu'il appelle une. Je crois qu'il dit quelque chose comme si c'est un scrupule excessif. Mais c'est tout simplement qu'il n'a pas voulu manger une figue parce qu'il a pardonné une figue du fait de la manger parce que le sucre qui sortait de la figue, qui devrait l'avoir fait attirante pour être mangé, lui a rappelé l'alarme d'une demoiselle. Et du coup,
c'est une vision presque de drogué. Quelqu'un qui est sous l'emprise de l'opium ou de quelque chose comme ça peut avoir une rêverie comme ça. Et Augustin racontait ça comme une chose pour montrer comment les manichéens avaient la tête tordue, la tête à l'envers, et c'était des gens qui ne passaient pas bien. Mais en fait, cette période-là lui a permis, je crois, le bonheur suffisant pour avoir la grâce. Parce que sans cette période de la chair, qui est le manichéisme, qui n'est pas tellement ce que Crossan, le spécialiste du christianisme, appelle la sarcophobie, la détestation de la chair. Moi, je ne pense pas que le manichéisme soit une doctrine sarcophobe. Je ne sais pas, quelle question vous posez La volonté manichéenne de séparer le bien du mal et plus à mettre en rapport à la méditation que à la purification ethnique ou politique. Je ne pense pas que le manichéisme aurait donné à Auschwitz. Je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste du manichéisme. C'est une question tellement difficile. Il faudrait refaire l'histoire du manichéisme chez les membres de la pensée, de ce qu'elle représentait à l'époque, d'où elle sortait. Je ne suis pas un spécialiste du manichéisme. Donc c'est un sujet que je n'aborderai pas comme ça. Comment est-ce que Saint-Augustin l'a abordé à l'époque? Quels ont été les critères qui l'ont amené à s'en éloigner, à creuser plus en avant, d'autres manières spirituelles, les questions que vous évoquez, du bien et du mal, de la sensualité, de l'irruption, de la sensation, de l'amour, de la sexualité, toutes ces questions qui évidemment traversent sa réflexion de fond en comble, ça va de soi. Là, il faudrait reprendre les confessions, essayer de la raconter lui-même, de suivre son itinéraire, les questions qu'il se pose, la façon dont il les traite. Je ne sais pas si vous voulez aborder Saint-Augustin du point de vue historique, ou creuser des questions qu'il a posées et qui se posent encore aujourd'hui, qui se poseront toujours à l'humanité. Si ce sont ces questions-là qui vous travaillent, ou si ce sont plutôt des réponses historiques... Moi, je pense que vous pouvez parfaitement faire comme moi je me permets toujours de faire, puisque je suis peintre et je considère que ma parole a une espèce de... C'est un peu pontifical, la parole du peintre. Quand Dali, Salvador Dali ou Picasso parlaient, et ils pouvaient pontifier depuis leur métier de peintre parce qu'ils pouvaient parler de tout et de rien. Ils n'étaient pas censés parler de quelque chose en particulier. Donc, je pense que vous pouvez déjà vous concéder ces privilèges de peintre. Moi, en tant que peintre, disons que je vous nomme chevalier de la peinture. Et vous pouvez faire comme vous savez fait d'ailleurs dans votre livre Les corps, lieu de loi, parler de vous-même pour résoudre les questions que Saint-Augustin voulait résoudre par son écriture ou disait vouloir résoudre, parce qu'on sait, on a toujours la sensation, je vous avais parlé depuis qu'on avait été présenté, que j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose de tricherie dans l'écriture des confessions, qu'il avait court-circuité une partie de sa vie, qu'il n'avait pas tout raconté, et que surtout les confessions venaient justifier une trahison à sa femme et à ses amis. Mais bien sûr, mais ça dépend de ce que vous appelez une trahison. À partir du moment où Saint-Augustin, rhéteur issu d'une famille de patriciens romains vivant sous l'Empire romain, dans un milieu de grande bourgeoisie,
où effectivement le christianisme n'avait pas encore un impact considérable, même si sa mère était déjà convertie, lui il n'était pas. Est-ce qu'il a trahi en voulant se convertir au christianisme, en essayant de vivre finalement à la fin de sa vie conformément à ce qu'il croyait être le dogme chrétien ou la loi chrétienne ou la foi chrétienne, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bien sûr il a trahi. Mais n'importe qui essaye de conformer après coup ses désirs et sa façon de vivre à une autre vision spirituelle de sa vie, d'une certaine manière, trahit. Il trahit parce qu'il a aimé comme n'importe quel homme, il a eu une maîtresse qui n'a pas épousé, une femme à qui il a fait un enfant, il a vécu comme n'importe quel homme, il a eu une sexualité, il a eu une sensualité, il est tombé amoureux, il a mangé des fruits interdits plus tard, il a vécu, bien vécu, il voulait gagner de l'argent, il voulait devenir célèbre, il voulait faire carrière, il a abandonné au fur et à mesure de sa vie cela pour s'installer dans une rigueur qui conforme à une spiritualité chrétienne à partir de laquelle il a réinterprété sa vie. Donc forcément il y a trahison. Mais je ne sais pas ce que vous appelez trahison. Je parle de trahison dans le sens où il avait déjà la vraie conversion de Saint Augustin et sa vraie sainteté ne réside pas dans son christianisme mais dans son manichéisme parce que il a refusé aussi bien le christianisme de sa mère que le paganisme de son père. Il s'est converti au manichéisme qui était déjà un refus de la, disons, un refus de c'est un refus critique, une position philosophique, le manichéisme. Donc, ça vrai, c'est-à-dire, s'il y a eu conversion, c'est là qu'il y a eu conversion. C'est pas dans ça. Après, il y a son passage au christianisme est tout simplement un passage stratégique, un jeu de pouvoir, parce que, et c'est là que vraiment on a la sensation que quelqu'un qui avait été en état de grâce passe à être en état de pouvoir et d'être vraiment quelqu'un. Il devient un arriviste et il fait triompher une religion qui en fait est vide et creuse, qui n'a mais pas. Mais ça, la... c'est votre vision des choses. C'est votre vision des choses. Vous n'êtes pas dans les chaussures de Saint Augustin, vous ne vivez pas à son époque. Si vous voulez faire la critique de Saint Augustin de ce point de vue-là, si vous voulez dire qu'il a trahi, qu'il était déjà en tant que manichéen installé dans une vie spirituelle et qu'il a voulu faire carrière et qu'il a donc, pour des raisons d'opportunisme personnel, choisi d'adhérer au christianisme qu'il a retravaillé. C'était beaucoup plus simple, beaucoup plus... Mais c'est une critique que vous pouvez faire. Mais si vous voulez faire la critique de Saint Augustin, faisons la critique de Saint Augustin. Je ne suis pas suffisamment spécialiste de Saint Augustin pour faire autre chose que de prendre à mon compte un certain nombre de choses. Non, mais en effet, ce n'est pas pour contredire de façon absolue ce que vous venez de dire. En effet, et chez Saint Augustin, il s'agit beaucoup du récit d'une conversion. Oui. Et là, je vous accorde toute la raison. Seulement, mon avis, c'est que dans son écriture, il y a une trappe, il y a un piège, il y a... La vraie conversion n'est pas celle qu'il raconte, n'est pas celle avec Saint Ambroise à Milan. C'est... La vraie conversion est la précédente. C'est possible, historiquement, vous avez... C'est la conversion à l'amour quand il a eu ses enfants. Mais c'est possible, mais de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, à mon avis, de refaire l'itinéraire spirituel de Saint-Augustin pour essayer de savoir s'il s'est converti auparavant ou après, si ses confessions sont légèrement mensongères. Il n'y a pas d'autobiographie, il n'y a pas de confession qui ne soit pas une façon de diviniser sa propre vie, de sublimer sa propre vie, de mentir sur un certain nombre de choses. C'est pas possible, autrement, on est subjectif en tant qu'être humain, et lui l'est aussi, et dans les confessions,
il raconte ce qu'il a envie de raconter et la façon, à la façon dont il a envie de le raconter. On peut ne pas le prendre au pied de la lettre, on peut le contester, on peut dire effectivement, peut-être que c'est pas le fameux sermon de Saint-Ambroise qui l'a convaincu brusquement, peut-être que ce n'est pas dans un jardin où brusquement il a vu la lumière et Dieu traverser le ciel et intégrer son cœur ou son corps, on peut contester tout ça, bien sûr. Mais peu importe, quel intérêt, c'est ça où je ne me suis jamais inquiété de ces questions-là. Lorsque j'ai travaillé sur ce livre dont vous parlez, Le corps vieux de loi, j'ai pris chez les philosophes, et entre autres chez Saint-Augustin, un certain nombre de problématiques qu'ils avaient travaillées eux-mêmes, à leur manière, pour les reprendre dans une recherche très personnelle, qui tournait autour d'un peu de ces mêmes questions, mais du point de vue d'une femme, évidemment, et du XXe siècle. Donc, ça dépend de quelle est votre approche. Je vous dirais là, pour mon approche, je pense en fait que les lieux des lois, le corps, lieu de loi. Oui. Et là, pour ce qui est de l'augustinisme, on en parle d'augustinisme avant de parler de christianisme ou de catholicisme, surtout de catholicisme. Parce que l'augustinisme, après, est devenu un facteur, un moteur qui a rendu possible d'abord la réforme, puis dans la contre-réforme, il a été un élément de clivage et de dynamique, un élément dynamique à l'intérieur des deux églises, protestantes et catholiques. Absolument, comme il est aujourd'hui. Et il reste. Et donc l'augustinisme est en soi, comment dire, une trans-religiosité de quoi que ce soit. Dans cette mesure-là, vous auriez raison de dire qu'il est chrétien, et moi j'aurais aussi à mon tour raison de dire qu'il est resté manichéen. Oui, mais si vous voulez, a priori, ce n'est pas cette question-là qui m'a intéressé chez Saint-Augustin, et qui m'intéresse, ou qui m'a intéressé au moment où j'ai écrit ce livre. Qu'il ait été manichéen, ou plutôt favorable, plutôt influencé par les Grecs ou par les grands penseurs, par la philosophie romaine, qu'il ait été chrétien ou non, ce sont des questions que je laisse aux historiens. Moi, la question que je me suis posée, et c'est dans le titre, le corps, lieu de loi, c'est comment un homme comme Saint-Augustin, à son époque, vu son itinéraire et à partir de ses écrits, il a conçu la problématique de la loi, donc du libre arbitre ou de la grâce, parce que les deux tournent autour de la question de la loi, à partir d'un phénomène qui est propre à tous les êtres humains, le corps. Le corps qui pour moi est un lieu où réside à la fois notre expérience et où s'expérimente aussi la loi. Et voilà. Ces corps-là. Parce que là, j'ai la sensation que quand on se rend compte que le mot loi, c'est un mot politique, et le mot corps, c'est un mot. C'est un mot, on ne sait pas si. Mais si c'est un mot fondamental, le corps, c'est la seule chose dont nous disposons avec certitude. C'est plus qu'un mot, c'est d'ailleurs, quelque part, c'est plus que politique. C'est un concept, ça ne va pas très loin, le corps, d'ailleurs, vous avez dans le langage, le corps est quelque chose qui est dans tous les esprits, le corps du Christ, le corps de l'Église, le corps. Tout est corps. Voyons. Donc c'est un concept extrêmement important qui renvoie à toute une conception de la vie terrestre. Avoir un corps, c'est à peu près la seule chose qui nous rattache physiquement et réellement à la Terre, et à partir duquel on a à la fois une expérience et justement, ou alors une vision. Et au moment où l'on rend politique les corps,
On est face à tous les avatars par la voie politique de la voie corporelle. C'est-à-dire, on est face à la mort du corps, à la maladie, on est face à la sensualité, au plaisir, à la douleur. Bien sûr. Et tout ça, on les voit comme un miroir sur le corps. C'est projeté dans la politique. Et c'est comme ça qu'on a, d'un côté, on a l'utopie des, je sais pas, des livres enfants de Summerhill, et de l'autre, on a Auschwitz, et de l'autre, on a. Et vous vous rendez compte que là, quand on parle de Saint-Augustin, on est en train de jouer avec presque un explosif. Mais vous allez beaucoup trop vite. Vous passez d'une chose à l'autre. Vous allez passer de Saint-Augustin Non, à parce que, Auschwitz et non, mais je vous dis ça pour synthétiser, parce que parce que vous représentez une tradition française de philosophie. Vous savez que nous, celui qui m'a été cité, vous savez que nous, plein de monde, mais par exemple Michel Foucault. Donc la French théorie, la théorie française, disons la philosophie française qui a réfléchi aussi, comme vous l'avez fait, sur la question, sur une série de questions. C'est-à-dire, aussi bien, vous savez traverser tout, là, je crois, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a d'un côté le structuralisme, plus tard Mais pourquoi voulez-vous la absolument? reconstruction, et plus tard on a les nouveaux philosophes. Donc on en a trois générations des penseurs, parce que chez vous, tout à l'heure dans les couloirs, Glucksmann, qui est nouveau philosophe. Et de l'autre côté, vous me parlez des structuralistes, aussi comme des gens que vous avez fréquentés. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Comment on peut faire un paquet de ça pour passer et traverser, faire la traversée du 21e siècle qu'on commence, et dans lequel notre public va être plutôt plus jeune que vous, en tout cas, et déjà, et plutôt, et pratiquement plus jeune que moi. Donc, C'est ça, je vais vous répondre tout de suite parce que sinon on va encore se perdre par des périphrases. Périphrases. Ce que vous venez de citer, ça représente 40 ans de travail, 40 ans de lecture, évidemment, 40 ans d'études. évidemment, c'est Si pour vous ça que c'est voulez, grossier que je vous dise comme ça. si les jeunes d'aujourd'hui veulent comprendre comment traverser leur siècle, le 21e siècle, si vous voulez. Si les jeunes, chaque génération a des jeunes qui se posent les mêmes questions. Comment est-ce qu'ils vont traverser leur temps? Comment est-ce qu'ils peuvent puiser dans la tradition, dans le passé, pour essayer d'envisager, de comprendre le présent et d'envisager un futur? Ça, c'est une question quasiment historique. Si vous voulez savoir comment moi je suis arrivé de cette tradition chrétienne, qui est la mienne, bien entendu, en passant par les Grecs, Kant, Hegel, les romantiques allemands, la fin du 19e, les philosophes du 20e, Lévinas, Sartre, etc., Foucault, Derrida, etc., et ainsi de suite, c'est un travail que j'ai fait d'un point de vue, si vous voulez, subjectif. Et je crois que c'est là où je peux répondre à votre question. Il y a une façon subjective de faire de la philosophie, il y a une façon objective politique à envisager ces questions-là, et je crois qu'il y a une grande différence entre une façon, l'approche métaphysique, l'approche individuelle, l'approche personnelle de se poser la question du corps, de la loi, de l'amour, de la liberté, du bien et du mal, etc. Toutes les questions que la philosophie se pose depuis toujours, ou le christianisme, c'est-à-dire n'importe quelle spiritualité d'ailleurs, pas seulement le christianisme, La métaphysique et la serait métaphysique. plus proche du corps que le Alors, discours laissez-moi quotidien. terminer ma phrase, ou une façon politique. La politique est toujours, à mon avis, façon de vouloir maîtriser, de vouloir dompter le phénomène du corps totalement libre
dans un espace universel ou dans une universalité sur lequel il faut qu'il exerce une emprise s'il veut régir la collectivité. Le corps seul, hors de toute loi, hors de toute contrainte, hors de toute extériorité, qui l'interpelle, qui le gère, qui le remet à sa place en disant « tu n'es pas un atome individuel libre dans un univers vide, tu es un corps au sein d'un univers où il y a d'autres corps qui existent ». Donc il y a deux façons de se concevoir, c'est comme Saint-Augustin, à travers ses confessions, sa propre expérience corporelle et métaphysique au sein d'un monde physique, et les questions qui se posent par ailleurs, qu'est-ce que je suis par rapport au monde extérieur, par rapport à la société où je vis, à l'histoire que j'ai vécue, aux lois qui existent, aux autres qui existent et qui m'interpellent, avec lesquels je dois discuter, comment est-ce que je peux concilier ces deux mondes ou les penser ces deux mondes? Et je crois que la force de Saint Augustin, en l'occurrence, a été cette tension extraordinaire qu'il a vécue et qu'il exprime très bien dans les confessions entre son intériorité à lui, son expérience personnelle de sa spiritualité, de ses questions qui se posaient sur Dieu, sur la vie, l'amour, la sensualité, l'érotisme, la beauté de la nature, le bien et le mal, et un extérieur historique, une historicité, une extériorité historique qui était là, qui l'interpellait en permanence, et qui l'a finalement interpellé pour devenir évêque. Si vous voulez un itinéraire, il est passé du rhéteur à être évêque. Oui, et c'est peut-être pour ça qu'on ne se met pas d'accord, parce que quelque part, ce que j'appelle trahison, c'est le choix de la loi. Mais on ne peut pas vivre sans la loi. Si vous voulez réfléchir sur la loi, parlons de la loi. Ce n'est pas Saint-Augustin qui aurait fait le tour définitif autour de la question de la loi. La loi se pose depuis que l'homme est né. Ça se pose au paradis. Qu'est-ce que c'est d'autre que le manger de seul arbre? Je vous pose la question simple. Au paradis, au début de la Bible, il y a deux personnes qui vivent dans un paradis où il y a tout en abondance, c'est dit. Tout y est en abondance, ils n'ont besoin de rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent du seul arbre, de l'unique arbre interdit. Ils ont le choix entre l'abondance la plus totale. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent l'arbre interdit. Pourquoi? Parce que la loi, en tant que telle, pose une question cruciale à l'homme. Qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est l'individu face au monde? Est-ce que je suis tributaire d'un Dieu qui m'a fait, soi-disant, qui m'a laissé sur terre? Du coup, ça explique la mort, c'est-à-dire ça explique ce qui ne nous plaît pas. Parce que c'est paradis, en même temps c'est un paradis aussi de la douleur, c'est la nature, c'est la réalité, c'est le réel. Le réel nous apporte beaucoup de plaisir et beaucoup de douleur. Donc du coup, le fait d'être coupable de quelque chose peut justifier... Peut nous aider à nous qui sommes doués de mémoire. Excusez-moi, j'ai fait très brut hein, mon discours là, parce que là peut-être je suis en train d'essayer de réfléchir à ce que je disais. Oui, exactement. Donc oui, bon peut-être ça serait des... J'ai perdu le fil, excusez-moi. Oui. Ah, c'est très difficile. Je comprends très bien ce que vous voulez faire, mais ce que vous cherchez. Vous avez utilisé un mot qui est peut-être le mot le plus galvaudé depuis deux, trois siècles dans notre monde moderne, c'est le mot culpabilité. Si vous voulez dire que la vie sur Terre introduit dès le départ cette
ce concept très étrange de culpabilité, sur lequel évidemment Freud a beaucoup travaillé dans la psychanalyse, c'est que peut-être chez les chrétiens, l'équivalent chez au christianisme, dans le christianisme, c'est la question de la chute. Qu'est-ce que ça veut dire la chute? Qu'est-ce que ça veut dire le péché d'Ève? Qu'est-ce que ça veut dire l'idée que dans cet univers parfait, créé par Dieu, est advenu brusquement quelque chose qui a tout perturbé, à savoir l'idée du péché, l'idée de la culpabilité. De quoi sommes-nous coupables? Peut-être la réponse la plus obscure, mais aussi la plus juste pour moi, est de vivre, c'est-à-dire de rompre l'éternité parfaite, le bien absolu divin, par le fait de vivre au quotidien dans un tout autre temps, dans un tout autre cadre de vie où la perfection ne peut plus s'atteindre autrement que par la mort. C'est pour ça que la mort joue un rôle tellement important dans la littérature, dans la spiritualité, dans la poésie, dans la musique, parce que la mort semble être l'ultime étape, soit vers les retrouvailles avec une perfection perdue, d'avant la naissance, ou par la naissance, ou parce que c'est pour certains la fin des souffrances terrestres, pour accéder à un monde où cette souffrance terrestre, cette chute, cette vulnérabilité, cette culpabilité n'existe plus. Les chrétiens diront, on a été racheté, voilà la grâce qui revient. La question du libre arbitre de la grâce, la grâce, est-ce qu'elle nous rachète? Est-ce qu'elle nous dispense enfin de notre culpabilité? Est-ce qu'elle nous ouvre la porte vers cette éternité que nous avons perdue à partir du moment où nous sommes rentrés dans une temporalité qui n'est pas celle de Dieu? Et je crois que ce sont des questions qui se posent depuis toujours à tout le monde. Oui, en effet, je pense que là, même si vous voulez, je vous parlais tout à l'heure de que j'avais colorié des planches de la mission Pelliot, des grottes bouddhiques. Ça correspond un peu à des visions apocalyptiques, mais orientales, bouddhiques. Et parfois manichéenne, parce que Pelliot a trouvé un catéchisme manichéen en Chine, qui a été traduit par Pelliot à moitié et puis par Nahalta Jadot, j'ai ces livres-là chez moi. Ça s'est posé dans toutes les grandes spiritualités, toutes les philosophies du monde, quelle qu'ait été l'histoire, le moment historique où ces questions, ces différentes religions ou philosophies se sont créées. Comment, et le bouddhisme y répond à sa manière, comment s'échapper à l'éparpillement de l'être humain dans une temporalité, dans une historicité qui le sollicite à chaque seconde par une extériorité qui perturbe la paix intérieure pour les bouddhistes, pour d'autres aussi, pour d'autres religions. Comment faire que le noyau dur de mon être, qui est dans mon corps quelque part, ou dans ma tête, dans mes pensées, comment ce noyau-là, comment le protéger contre l'irruption permanente d'une extériorité qui perturbe la paix intérieure par l'existence de l'autre. C'est un concept fondamental de l'altérité, le concept de l'extériorité, de la nature, du monde, de l'histoire, de la politique, de la sociologie, etc. Comment soustraire le corps fragile de l'homme à l'agression.
Et comment faire pour que les désirs du corps s'expriment sans que l'extériorité me punisse ou me heurte ou m'interdise ou veuille me gérer, me régler? Toute la question de l'amour est là-dedans. Oui, elle est pourquoi de que ça se répète dans un miroir infini, votre souvenir de la guerre. De la guerre. Mais bien sûr, si vous voulez, si je me suis sentie quelque part proche de Saint-Augustin, c'est qu'il vit lui aussi, d'une autre manière, bien sûr, une rupture brutale. C'est-à-dire, quand on vit dans un univers, et les enfants vivent généralement dans un univers assez protégé, assez clos, hein, les premières années de l'enfance sont des années où on voit le monde d'un œil plutôt positif. C'est les 3-4 premières années de la vie, sauf accident terrible ou parental, catastrophique. C'est une période où l'enfant se conçoit en harmonie avec le monde, plus ou moins. Il a une conscience de son corps qui n'est pas encore trop perturbée, encore, ça reste à analyser, mais disons en gros, la perception est plus naïve, plus spontanée, plus directe, plus spontanément amoureux. Il reçoit plus aisément l'amour sans que ça le perturbe, parce que l'amour parental n'est pas la même chose que l'amour d'un homme ou d'une femme plus tard dans la vie. Et si dans un tel contexte fait irruption quelque chose comme les Russes qui sont arrivés en Allemagne et qui ont donc les vainqueurs, les Russes vainqueurs qui sont arrivés, littéralement à minuit, qui ont allumé la lumière et à minuit, ma vie d'enfant s'est écroulée d'une seconde à l'autre et plus rien de ce que j'avais connu auparavant n'était plus de mise. Mon père avait disparu, tout le reste avait disparu, il n'y avait plus d'histoire possible, il n'y avait plus de réponse possible, il n'y avait que le mal qui était là, cru, en face de moi, et il fallait gérer. Et ce mal-là était presque métaphysique, il était réel évidemment dans la souffrance, etc., mais il était aussi métaphysique dans la mesure où l'enfant se posait la question « Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir ça à la gueule ?» Ne sachant pas, c'était à ce moment-là, pourquoi les Russes étaient là. J'ai appris au fur et à mesure de ma vie pourquoi les Russes étaient là. Et j'ai bien été obligé d'admettre qu'ils étaient là pour les bonnes raisons, qu'on n'était peut-être pas innocent de ce phénomène-là. Et si vous parliez tout à l'heure d'Auschwitz, qui est la question clé de ma génération, pourquoi Auschwitz, pourquoi ça ? Dans un pays civilisé, dans un pays où les philosophes, le christianisme avaient laissé des traces profondes et qui auraient dû savoir faire la différence entre le bien et le mal, entre le mal, on dit que le mal absolu n'existe pas, mais disons dans mes yeux, le mal absolu, peut-être que c'était Auschwitz. Quand j'ai appris tout ça, j'ai été obligé de me poser la question, effectivement, non seulement dit comment, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? D'où je viens? Pourquoi je suis là? Où je vais aller? Comment je vais gérer, en l'occurrence, un mal qui brusquement fait surface dans un monde que je croyais bien, en tant qu'enfant? C'est la même contingence alors que, pour moi, découvrir que Saint-Augustin, malgré qu'il semblait heureux, avant d'être chrétien, et que tout allait très bien. Il renonce à tout. Sans que l'irruption du mal dans son cas n'était pas la même, mais il suffit parfois que l'homme se sent en porte-à-faux avec son histoire, avec son temps, qu'il sent que quelque part, dans la spiritualité ou dans la philosophie de son temps, il y a une dimension qu'il n'a pas intégrée, qui lui manque quelque part, pour qu'il soit
susceptibles d'entendre une voix venue d'ailleurs, Saint Ambroise par exemple, pour lui dire « il y a un autre chemin, il y a autre chose ». Dans la Bible, le mot le plus important, à mon avis, que nous les chrétiens on a oublié, c'est le mot « écoute ». Écoute Israël, écoute la voix qui vient d'ailleurs, qui peut te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas pensé toute seule, qui peut t'interpeller, qui peut te guider, quoi qu'on en fasse. On peut en faire ce qu'on veut. Et je crois que quelque chose chez Saint-Augustin relève de cet ordre-là. Cet homme a entendu quelque part des voix qui l'interpellaient, non pas des voix comme Saint-Jean d'Arc, évidemment que non, mais à l'intérieur de lui-même, il a senti qu'il y avait une dimension spirituelle qui lui manquait et qu'il a épousé. Est-ce qu'il a été toujours véridique? Est-ce qu'il n'y a pas une part de coquetterie, de côté intrigant d'une pensée qui était là, qui lui échappait, qui voulait maîtriser, etc. Sans doute. Je pense qu'avec ce que vous avez dit, déjà, ça replace beaucoup mieux. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire une pause peut-être et voir. Je vous dis, si vous avez déjà. Donc je disais que, en tant que curieux et que...